Merci. Vamos. Amiga común. La vez pasada me parece que se acordaban como cuando había sido. ¿Cuándo habían hablado de Alma Viva la primera vez? Creo que se tenía el recuerdo. Sí. Fue en el 2000, claro. En el 2000 se empezó a gestar un poquito la idea de che, ¿por qué no tenemos ensamble? Claro, sí. Teníamos, bueno, nos encontramos y ya habíamos tocado juntos en Dignidad. Yo ya había estado trabajando con Ezequiel. O sea, ellos no se conocían y yo los conocía a los dos. Y enseguida pensé en él, entonces te fuimos a ver un día ahí a tu casa todavía de Ambroise Paré. Y te contamos del proyecto, fuimos los dos. Sí, no, pero creo que primero me habías hablado por teléfono, efectivamente, sobre el tema, y después sí nos encontramos con. Claro, y bueno, yo enseguida estuve muy entusiasmado con la idea de formar parte de eso. Y enseguida, bueno, así se armó como el noyau dur. Bueno, pero la idea es que desde el inicio estuvo esta intención de no reducirnos a tocar entre nosotros, en realidad. Claro, o sea, siempre la idea de trabajar con otra gente. El ensamble... Por una limitación bastante grande de repertorio, evidentemente, ¿no? Claro, y la idea del ensamble de geometría variable está desde la primera... Exactamente. Del primer momento, y forma parte de la idea de Alma Viva, digamos, que Alma Viva sea como... un instrumento en el sentido modulable para hacer vivir el repertorio de música latinoamericana. Alma Viva est née d'une nécessité d'explorer un petit peu le répertoire des compositeurs latino-américains. Vu que nous trois, nous avons des origines latino-américaines, nous sommes tous les trois nés en Argentine, mais tous les trois nous habitons en France depuis déjà entre 10 et 15 ans. Il y avait cette logique d'un double parcours, une présence forte de l'Amérique latine et de la France dans notre histoire. Et donc il y a eu cette idée de faire de la musique de notre continent d'origine. On a travaillé dans une recherche de timbres beaucoup sur les répertoires de Piazzolla, etc. pour pouvoir justement jouer guitare, piano, avec flûte, avec flûte-violon, et flûte-violon-violoncelle. On a fait des versions en quintet, quatuor et trio des pièces de Piazzolla. Pour nous, le fait de faire du Piazzolla, c'est de rattacher ce que les gens connaissent avec tout le reste de notre histoire. C'est-à-dire que les arrangements est quelque chose qui reflète en quelque sorte un peu ce que nous sommes, hein, et la façon qu'on a de travailler. Parce que bon, les arrangements ont été faits vraiment en commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui les a faits. C'est du travail commun entre les trois. Parce qu'avec Alma Viva, on s'intéresse aussi à cet aspect de création et de transformation du langage. Et nous avons travaillé avec des compositeurs comme Thierry Pécou, qui est un compositeur français et qui a composé une pièce pour nous. Parce que d'ailleurs, Alma Viva a un axe aussi fort, c'est la commande d'œuvres nouvelles. Et donc dans sa pièce à lui, Tango que j'ai pu voir danser, et Tango que je vais bailar, c'est un regard un peu extérieur qu'on peut avoir un Européen sur le tango avec des moments un peu ironiques, satiriques. C'est un peu cette transfiguration du tango par le regard extérieur et par la musique du 21e siècle. C'est un petit peu un défi qui est de faire jouer la guitare et les pianos ensemble. Ça s'est fait très rarement et c'est d'ailleurs dans la politique de commande qu'on a
qu'on retrouve dans les recherches les plus intéressantes des compositeurs par rapport à ces rapports guitare-piano. Parce qu'au départ, on s'est dit que la guitare, c'est un instrument qui est pas très sonore, qui est plus intimiste. Le piano est un petit peu le roi des salles de concert parce qu'il est très sonore, c'est un grand instrument, etc. Et voilà, et là on se rend compte que cette alliance, on va dire, entre ces deux instruments qui sont si différents est tout à fait intéressante et possible.